qui a eu 116 personnes à bord, dont 110 passagers et 6 membres d'équipage. La compagnie qui a opéré ce vol, c'est la compagnie Swiftair, qui a été affrétée par Air Algérie. Et le type d'avion, c'est le type d'avion MD-83, Mike Douglas 83. Nous avons des précisions en ce qui concerne la nationalité des passagers. Donc, il y a 6 Algériens, il y a 50 Français, un Malien, un Belge, 2 Luxembourgeois, 5 Canadiens, 24 Burkinabés, 4 Allemands, 1 Nigérien, 1 Camerounais, 8 Libanais, 1 Égyptien, 1 Ukrainien, 1 Roumain, 1 Suisse. Les 6 membres d'équipage de nationalité espagnole. Et actuellement, il nous reste 3. On est en train de procéder aux recherches pour pouvoir connaître les nationalités. Les opérations de recherche de l'avion ont été engagées et elles sont en train de se poursuivre à l'heure actuelle. Au niveau de la zone concernée, que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est la région de Gao, dans le nord du Mali. Voilà les recherches qui se poursuivent dans ce...